Pourquoi faire de la publicité sur Google et Facebook? Tout d'abord, je pense qu'il n'y a pas vraiment de question à se poser. Internet, ça reste l'endroit privilégié pour trouver des clients. Il faut un peu le voir comme un grand boulevard, comme les Champs-Élysées. Vous avez énormément de trafic, toutes les secondes, toutes les heures, toutes les journées, tous les jours, toute l'année. Et vous avez cette opportunité, grâce aux solutions publicitaires de Google et Facebook, de pouvoir montrer vos services, montrer votre marque et répondre à un besoin chez les internautes qui vont ensuite trouver des solutions auprès de votre entreprise. Voici quelques statistiques qui vont pouvoir peut-être vous convaincre. 93% des Français utilisent la solution de Google pour faire des recherches. Donc concrètement, en France, à chaque fois que quelqu'un se pose une question, recherche quelque chose, ça se passe sur Google. Donc c'est le premier endroit sur Terre où vous avez besoin d'être visible si vous voulez capter l'attention de vos clients et leur montrer que vous existez afin de pouvoir leur proposer vos solutions. Autre statistique super intéressante, c'est que les Français passent en moyenne 2h20 sur les réseaux sociaux. Que ce soit Facebook, Instagram, WhatsApp ou Snapchat, on passe en moyenne 2h20 sur Internet, ce qui est énorme. Et ce qui est intéressant de se rappeler, c'est que finalement, lorsqu'on commence par une recherche sur Google, finalement, ça se continue sur un blog, sur un site ou sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment pertinent aujourd'hui de pouvoir être visible sur ces plateformes qui vont vous permettre de donner de la visibilité à votre marque et à vos produits. Et enfin, l'avantage non négligeable des solutions publicitaires Google et Facebook, c'est que ce sont des plateformes, des services qui fonctionnent à la performance. C'est-à-dire que vous n'êtes facturé qu'en fonction du trafic, donc des performances, qui sont amenées sur votre site internet. Et ça, c'est plutôt une petite révolution dans le monde du marketing si on compare ça à des leviers plus classiques comme le print, par exemple, ou la publicité à la télévision. C'est que vous êtes capable de payer seulement pour le résultat, le trafic qui est amené sur votre site. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est très prédictible. Donc, au bout d'un moment, vous aurez de la data que vous pourrez exploiter et vous pourrez avoir une approche très prédictive en sachant exactement quel est le retour que vous allez avoir si vous investissez 1 euro. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un des arguments les plus intéressants autour de ces solutions. Et enfin, aussi, l'avantage, c'est que ça vous permet de démarrer même avec des budgets plus modestes et de vous garantir que vous aurez un minimum de résultats.